la remise des diplômes. Et c'est un jour très important pour les étudiants et pour leurs familles. Ils viennent, ils mettent des robes noires et la toque. Pavarotti, parce que en 1863, il a chanté Madame Butterfly pour la première fois. Tout droit, le bâtiment, c'est l'hôpital le plus ancien de Belfast et ça s'appelle le Royal Victoria Hospital, the Royal Victoria. Les Huguenots, ils sont ici. Ils ont fait construire alors le mur de la paix. Alors, regardez les portails. Alors, okay, on va faire un tour. Croyances. Alors, c'est un mélange de culture. Et alors, c'est un tribut à notre passé aussi. Et vous voyez comme le Titanic. Alors, ils ont érigé ces poteaux il y a 3 ans en commémoration du Titanic, mais aussi des autres bateaux. Ok. Alors, on va tout droit et vous voyez l'horloge. Ça, c'est l'horloge. C'était une horloge avec des statues pour le prince Albert. C'était un Écossais, Wolfe, c'était un Allemand. Et ils étaient responsables pour la construction Titanic. Maintenant, il y a seulement 100 à peu près.
So if you see the same thing twice, you might be lost. Alors. Tout un petit peu d'avance. Indeed, they were not talking late tonight. Great affairs, James. Great affairs. Always that way when Mr. Ishmael dines with lunch. Great affairs, James. Was number 13. No, there was a 15, but we had trouble with our davits. They were frozen, and I'll tell you, I thought we were just going to be thrown, but that light was no nearer, or more distinct or indistinct, and we all call it the mysterious light. The lights were burning. And you could see that she was going down. Slowly, she reared up on end. Tous les produits qu'ils ont fabriqués ici. Alors, la bague de remerciement, ça date de 2007. À gauche, ça c'est la rivière à Belfast. Et le nom Belfast, ça vient du gaélique, de l'Irlande.